Yo! Aujourd'hui, je suis méga en forme pour tourner cette vidéo. Clairement, j'ai trop hâte. On va donc tester ensemble, dans cette vidéo, le make-up qui est vendu sur le site AliExpress. En fait, à l'occasion de leur 11e anniversaire, ils m'ont proposé de faire une sélection de produits sur le site, évidemment. Et du coup, j'ai choisi que des marques qui sont actuellement en vogue à l'étranger. En gros, on va faire une revue crash test où on va tester la qualité du produit, les ceci, les cela, la la la. Vous connaissez tous AliExpress, qui n'a jamais commandé de produits divers et variés sur AliExpress. Moi, personnellement, j'ai jamais testé de marque de maquillage, mais par contre, les fossiles, ça, je vous en parle depuis le début de ma chaîne, par exemple. C'est quelque chose que je consomme, mais très régulièrement. Ça me permet d'éviter de lâcher des centaines de milliers d'euros pour des fossiles, alors qu'il y a une très très bonne qualité à moindre prix. Des fois, vous trouvez des fossiles à 1, 2 euros et qui tiennent très 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 bien. Alors, avant de commencer la vidéo, on va rapidement parler de livraison parce que c'est forcément quelque chose qui vous intéresse. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais maintenant, il y a un nouvel outil sur AliExpress qui vous permet de choisir votre livraison, votre type de livraison. Il y a des vendeurs qui sont situés en France, d'autres à l'étranger, et du coup, ça réduit ou rallonge le temps de livraison. Donc là, vous allez avoir la possibilité de choisir la rapidité qui vous convient le mieux. Pour certains produits, il y a des entrepôts en Europe, donc du coup ça permet d'avoir une livraison par exemple de 3 à 7 jours. D'ailleurs, pour ceux pour qui ce n'est pas clair ou pour ceux qui ne le savent pas, AliExpress n'est pas un vendeur. AliExpress est une plateforme où il y a plusieurs vendeurs, donc ils ne possèdent pas de stock en eux-mêmes, mais ils mettent en relation les vendeurs et les acheteurs. Vous n'achetez pas à AliExpress, vous achetez aux vendeurs d'AliExpress. La majorité des choses que je commande sur AliExpress, c'est depuis l'application mobile. Je la trouve plus simple d'utilisation et elle est surtout plus confortable. Ça permet de découvrir de nouveaux produits et puis de vaguer, de scroller en fait plus rapidement. En barre de description, vous allez retrouver tout plein de codes promo pour chacun des vendeurs, chacune des marques que vous allez retrouver dans cette vidéo. Sachez qu'à partir de demain, donc du 29 mars jusqu'au 3 avril, il y aura une grande remise sur tous les produits. Ceci étant dit, on va maintenant démarrer la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte YouTube, à ma chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche de notification des vidéos, comme ça vous serez notifié à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, et à me rejoindre également sur mon compte Instagram, parce que là aussi je vous préviens, je vous notifie des futures arrivées ou je vous demande parfois ce que vous aimeriez voir sur ma chaîne ou sur mon compte. Allez, on va rapprocher la caméra et let's go. Alors du coup, voici la première chose que j'ai commandée sur le site. Ça vient du vendeur FLD Store. S'il y a bien un truc que vous me demandez tout le temps, c'est où trouver des pinceaux de qualité et pas cher. Donc je vais tester la qualité de ces pinceaux là. Ils m'ont l'air pas mal, j'ai déjà eu des pinceaux AliExpress et franchement ils faisaient carrément l'affaire. Et quand je dis pas cher, là quand je vais sur le site, ça me met une différence de prix entre 3,78€, parce que pas 300, 3,78€ et 8,68€. Donc je trouve ça vraiment abordable pour avoir toute une panoplie de pinceaux comme ça. Alors je suis partie nettoyer le pinceau et j'ai pas de fond de teint, donc je vais en mettre un fond de teint lambda. Hop, juste pour que vous puissiez voir l'application avec moi. Donc là c'est quelque chose d'assez léger, c'est un fond de teint que j'utilise habituellement pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se travaille. Et écoutez, nickel pour l'instant, je trouve que la matière s'étire très très bien. Je suis plus pinceau que beauty blender, quoique je peux pas dire ça parce qu'en général ça dépend de mon mood, mais là je trouve que ça s'estompe super bien. Vous voyez comme quoi il n'y a vraiment pas à dépenser des mille et des cents dans des pinceaux. Après tout dépend du résultat que vous voulez avoir, etc. Si vous voulez des poils naturels, s'il vous faut des poils naturels ou des poils synthétiques, etc. Là c'est 100% synthétique évidemment. En fait le pinceau garde une certaine densité mais il reste doux. Vous voyez, si vous avez besoin de faire des mouvements et tout circulaires, ça se travaille très très bien. Alors en termes d'anti-cernes, j'en ai pris plusieurs de la marque O2. Il y a celui-ci qui est différent puisqu'il est high coverage, donc haute couvrance. Et ceux-là, c'est des anti-cernes à couvrance moyenne. Je sais pas lequel va m'aller en termes de couleur, mais regardez, celui-ci m'a l'air pas mal du tout. Écoutez, j'ai comparé les teintes et je pense que c'est celui-ci qui va mieux m'aller. Écoutez, je vais essayer la teinte Custard numéro 1. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas mal jusque là. Ouais, ça m'a l'air vraiment pas mal. Maintenant, est-ce qu'il y a de la couvrance? Alors, voyons voir. Écoutez, la couleur, elle m'a l'air pas mal du tout. Hein. Punaise, mais il a l'air ouf, non? Mais vraiment, niveau couvrance et niveau teinte, il est pas hyper épais. Hein. C'est un anti-cerne qui reste léger. Donc, si vous en mettez un petit peu, vous aurez un tout petit peu de... Oh, je suis choquée. Par contre, c'est vrai que ça fait longtemps, hein, les embouts hyper fins comme ça d'habitude. Mince, j'ai pas pris le bon... Oh non! Vous voyez comme quoi l'autre couleur elle était beaucoup trop claire. Là c'est le vanilla que j'ai. Ouais, 03 vanilla. Et donc moi celui qui me va c'est le Custard numéro 1. Nickel hein, la couleur. J'aurais même dû le laisser un petit peu sécher, vous voyez. Juste on va mettre ici. Parce que moi c'est là où ça me dérange mes cernes. Je vais mettre là et je vais le laisser sécher le temps que je fasse mes sourcils et je reviens tout de suite. Heureux. Donc voilà, je vais juste estomper hop à cet endroit là. Et ouais, en fait, quand vous le laissez sécher un petit peu, c'est encore mieux. Trop trop bien. Écoutez, je suis agréablement surprise. Je vais juste le poudrer maintenant, voir ce que ça donne. Je suis choquée. Franchement, il est vraiment trop trop beau.
il marque pas, il... vraiment... Du coup, je me suis rapprochée, alors là, j'ai deux palettes. J'ai celle-ci de Eye Magic, qui s'appelle Eyeshadow Palette. C'est un mélange de fards mat et d'irisé, mais dans des teintes très colorées. Et de la même marque, il y a la Chalice, avec cette fois-ci 36 fards. Je sais pas pourquoi, je suis attirée par la première. En fait, j'ai juste envie de tester les fards jaunes, roses et violets. Alors, je vais commencer par le fard jaune. Il est pas si pigmenté que ça. Après, ça reste du jaune, c'est rare de voir un jaune pigmenté. Mais il est pas mal. Ah si, en fait. Ah si, quand même, il est pas mal. Je retire ce que j'ai dit. Ensuite, je continue cette fois-ci avec le fard orangé. Hop, que je vais mettre juste à côté. Là aussi, on est quand même sur quelque chose de bien pigmenté. Je passe au rose. Hop, que je mets juste à côté, je terminerai avec du violet. Elle est pas mal du tout la pigmentation des fards, non? Ah vraiment, j'adore. Je vais venir reporter les mêmes couleurs dans le ras de cils. Donc je commence par le rose, continue avec le orange et bien évidemment le jaune. Dans cette palette-ci, il y a un fard doré, je vais mettre celui-ci. Alors en fossile, j'en ai vraiment reçu plusieurs de la marque Sexy Cheap. J'en ai pris des extra dramatiques et des moins dramatiques pour des looks plus sobres. Alors avant de mettre les fossiles, je vais mettre ce liner de la marque Eye Magic. C'est un liner feutre noir. Je vais en mettre vraiment juste au niveau du ras de cils. C'est vraiment juste histoire de masquer la bande. D'habitude, je déteste les liners feutres, mais ça va. Alors préparez-vous parce que les fossiles que je vais mettre là, je vais m'envoler jusqu'au soleil avec. Après, en termes de qualité, c'est les fossiles, bah, j'ai l'habitude de les commander, donc... Moi ça me convient parfaitement hein. D'ailleurs je suis quand même bluffée là des produits hein, que ce soit la palette ou l'anti-cerne, franchement top. Mais que fais-je et que dis-je, j'ai encore un produit à mettre avant les fossiles, c'est le fameux mascara. Vraiment le mascara Eye Magic qui promet longueur et volume. Il a une brosse voilà comme ça en plastique avec des picots très très resserrés. Je vais pas en mettre 3 tonnes parce que je vais mettre les fossiles avec. Mais je trouve qu'il allonge pas mal les cils. Alors du coup on passe aux fossiles et j'en ai pris pas mal du vendeur Sexy Cheap. Il y avait des styles plus ou moins différents hein. J'ai pris beaucoup de fossiles qui soit assez quand même extravagant. J'ai juste envie de rajouter un peu de fard violet au niveau... Oh non, je suis en train de m'en mettre partout. En fait, je trouve que ça fait un peu fade avec juste ces couleurs-là, donc je vais rajouter un peu de fard violet au niveau de la muqueuse inférieure. Alors ensuite, j'ai cette palette qui va me servir de contouring et de blush, toujours de la même marque Eye Magic. Elle se compose de deux fards à joues, d'un bronzer et d'un highlighter. On est quand même sur un highlighter qui est très pigmenté. Par contre, cette couleur-ci, je sais pas si elle va être utile en termes de blush. Je vais utiliser j'utilise ce pinceau hein, qui est dans le kit. Il est un petit peu biseauté, il a un embout un petit peu plus incurvé qui va me permettre normalement d'épouser la forme des joues. Écoutez, je vais voir, ça va être la révolution si ça fonctionne parce que franchement c'est ça. Ah bah écoutez, nickel. Par contre, à la couleur du blush, peut-être qu'il faut mettre plus de bronzer. Ah non, pas mal hein, c'est très léger mais... Et par contre, le pinceau, il est génial. Trop bien. Alors ça, je vais le réutiliser, mais tout le temps. Vous pouvez vraiment le placer là où vous voulez, même en tant que highlighter. En fait, ça dépend. Ça épouse vraiment ici et là. Du coup, il va me falloir un pinceau biseauté pour atteindre le blush. Je vais prendre le plus pigmenté. Enfin, le plus coloré, pardon. Ok, il faut pas non plus en mettre trop parce que j'ai la couleur quand même. C'est en plus le genre de couleur que j'aime bien. Ensuite, on va passer à tous les rouges à lèvres que j'ai commandés. Du coup, ce sont des rouges à lèvres mat velvet, donc au fini velouté, velours, voilà. Il y a 12 coloris, ils sont vraiment tous hyper pigmentés. Pour le coup, je vous les ai tous swatchés, vous voyez bien. Franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va rendre sur les lèvres. Je profite de cette voix off pour vous dire que la texture est hyper crémeuse et hyper confortable sur les lèvres. Je vais faire un contour d'abord dans un premier temps et après, je mettrai celui-ci au centre. J'ai fait mon contour avec mon crayon habituel et là, je vais mettre celui-ci au centre. C'était celui-ci, ouais. C'est exactement ce que j'ai l'habitude de mettre. Trop bien. Eh, mais il est vraiment trop beau. Il fait vraiment la même couleur que mes lèvres. En fait, tout ce que je recherche dans un liquide mat. Bon, bah écoutez, c'est terminé. Franchement, hyper surprise de la qualité des fards. Ils sont hyper pigmentés. Ils se travaillent aussi bien qu'une palette à 50€. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite le prix de la palette. Ouais, c'est ça. Alors, normalement, ils sont à 11,10€. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du 29, il y a des soldes. D'ailleurs, vous pouvez déjà voir les prix qu'il y aura demain en solde. Donc, elle était à 11,10€ et elle est passée à 8,60€. Gros, mais alors gros coup de cœur pour l'anti-cerne et pour les pinceaux. Franchement, vous qui cherchiez des pinceaux à petit prix, et ben écoutez, foncez parce qu'ils sont super bien. Et alors celui-ci, c'est vraiment mon chouchou, l'effet biseauté comme ça pour le bronzer. C'est en fait, vous pouvez pas vous tromper, vous allez pas pouvoir appliquer votre bronzer ailleurs que à l'endroit initialement prévu, puisqu'il épouse parfaitement l'os, l'ossature de votre joue. Donc vraiment top top top. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs s'il y a un produit parmi ceux que j'ai essayé qui vous a intrigué, qui vous a donné envie vous aussi de tester. Pour conclure tout ça, vous retrouverez
tous les liens en barre d'infos comme d'habitude. Tous les codes promo également seront en barre d'infos. N'oubliez pas d'ailleurs que les promos sur AliExpress seront uniquement du 29 au 3 avril. Et puis écoutez, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo qui sera certainement dimanche du coup, je vous embrasse tous très 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 fort. Prenez bien soin de vous d'ici là et je vous dis à très vite. Et on se retrouve sur Instagram évidemment, ça s'affiche juste ici. Allez, bisous, ciao ciao.